combien d'hôpitaux avec 1 milliard, 10, 100, beaucoup plus. Alors Macron a détruit l'hôpital qui vient taper dans la babale pour l'opération pièce jaune gérée par la sorcière. Les pièces jaunes, ça doit être des lingots d'or. Oui, sûrement, oui. Ouais, parce que les petites pièces, pour lui, ça l'intéresse pas. Non, mais... Ouais, ouais. Pardon. Voilà. Bah, je n'étais pas au courant qu'il s'intéressait aux pièces jaunes, quoi. Bah, ah, oui, c'est... en fait, ouais. L'opération pièce jaune, tu sais que c'est tous les ans. C'est... Ouais, il y avait la femme de Chirac à l'époque. Oui, voilà, maintenant, c'est remplacé par la femme de Macron. Ouais. Et cette semaine, il a joué au foot dans le cadre d'un gala sur l'opération pièce jaune, un gala de charité pour l'opération pièce jaune. Alors, tu le voyais taper dans la balle. Alors, est-ce qu'il il est passé au test antidoping ou pas pour ça? Alors, ça, j'en sais rien. Puis, ouais. En vérité, je m'en fiche pas mal. Ah, ouais. Tout ce que je sais, c'est qu'il vient, il détruit l'hôpital et après, il demande de l'argent aux gens, hein, pour... sauver l'hôpital. Non mais ça, franchement, c'est le chaudron qui se fout de la marmite. Hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand on passe souvent devant les hôpitaux, il y a souvent des affiches, aider l'hôpital, payer... Oui, oui, bah ouais. Oui, oui. Ouais. Oui, bah oui. Mm-hmm. C'est normal, l'autre, il a tout cassé. L'autre, il a tout cassé. Et après, c'est sa sorcière qui gère l'opération pièce jaune et ils ont le culot de venir nous demander de l'argent. Eh ben, vraiment. Ouais. Bon. J'ai pu mes deux. Ah oui, non. Alors, Carlos Tavares gagne 1000 fois plus que moi. Vous n'avez qu'à légiférer. Il a dit que vous n'avez qu'à légiférer. Ah oui. Voilà. Et il a dit ça au peuple ou bien à ses copains, les députés? Non, au peuple qui n'est pas content parce qu'il gagne des sommes indécentes. Et donc, il a dit... Il s'est adressé au peuple en disant au peuple de légiférer. Oui, voilà. Donc, si on... Y a qui n'empêche de gagner cette somme-là, et que bah, si on n'est pas content, on n'a qu'à légiférer. Et si on légifère, bah, il suffira. Voilà, en attendant, bah, s'il a envie de gagner 3000 fois plus, il n'y a rien qui l'empêche. Mais si le peuple légifère, c'est qu'on est dans une vraie démocratie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'autant plus méprisant, tu sais très bien qu'on ne légiférera pas. C'est pas Macron qui va légiférer. Ça ne fait pas vrai. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, bah bon.